quand je vais me soigner. Attention aux yeux. Ok, come on. Bon. Hop, je vais fermer ça. Ouais, je vais redémarrer ça un peu. Alors, c'est parti pour la découverte de Cold Dreams. Petit jeu à connotation horrifique. Tu chies des Maltesers dans ton slip. On va voir. Ça alors, tu as trouvé une sphère. T'as un souffle la carte graphique là, c'est calme. Je comprends pas, j'ai mis 3 balles dans la gueule, elle aurait aimé. C'est une hache. Et comment je prends cette hache? Je ne peux pas. Hein. Je ne peux point. Ah, les touches, ils sont pas trop bavards quand même. On peut pas dire que ce soit le délire de l'interaction. Ah, en fait, il y a juste à se balader quoi. Bon, ok. Sentez la. Cette odeur de grosse dope venir là. Bref, le condé, je. Pff, petite étoile, ok. Bon, c'est un crayon jean. On a vu pire. Ah, faut que ça envoie du pâté l'ambiance. Hein, si c'est marché 10 heures, ça va pas te faire. Hop, 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 je fais le tour de ça. Oh. Pas une cabane dans les bois, une grotte, je sais pas. Tu es destiné à courir toute ta vie dans la neige? Ah. Ouais, je pense, ouais, mais le problème c'est que, bah, tu vois, je sais pas où elle est passée la sphère, donc. Là-haut, je sais pas ce que c'est, on dirait un rien en fait. Je croyais que c'était un reflet de lune, une connerie, mais non. Non, c'est le vent en fait qui passe là-haut, c'est quoi? C'est quoi ce bug? Nous ne savons pas. Ni vous, ni nous. Merde, je croyais que c'était un corps, j'ai l'air cool. Mais non, que nini, que dalle. Il n'y a pas de map en fait, y'a rien. En fait, c'est juste les binds pour avancer, la souris, voilà. Il peut sauter, il peut sauter. Ah, j'ai l'impression que nous avons une activité certaine. Oui, c'est ça, un cabanon. Un réservoir d'eau. Une sphère, peut-être. Non, même pas. Alors là, Harveyton.
Je sais que c'était un groupe électro, mais non. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'interaction, ça c'est bizarre. C'est pratique pour ouvrir les portes, dis donc. Ah, ben oui, d'accord. Comme ça. Ouais. Ah, ah, ah. T'inquiète. Moi, c'est ça que j'aurais voulu lui prendre. Ah, il y a du découpage dans les règles de l'art. Attention, nous sommes rejoints. Parce que je stream, moi, tu sais bien. De quoi? Quoi? Oui, nous sommes rejoints par Poupoune. Oui, elle doit. Je sais pas, c'est soi-disant un truc d'horreur. Là en fait, je suis en train de chier dans mon ben, tu vois, tellement que c'est violent. Continuant. Le truc qui me tue, c'est que ça passe en green light. Que des gens accrochent, quoi. Ça fait flipper des fois. Ah, ça ressemble au début là. C'est ainsi qu'il se gela les noisettes dans la neige. On retrouve son corps 50 ans plus tard. Ok. Non, non, mais là c'est quand même pas mal. Très très gros potentiel. Oui, il avait une tête de banania. Bon, j'y peux rien, moi. Ok, c'est absolument fantastique. À part un putain de pylône relié à que dalle et une cabane au milieu des bois, voilà, nous avons un jeu. Non, on explore quand même. Pas de hâte, mes amis. Pas de conclusion hâtive. Tâchons d'en découvrir plus dans cet épisode de mystère. Un réservoir d'eau, quoi de plus louche qu'un réservoir d'eau dans une forêt? Je vous le demande. Un pygmée? Où il se cache le pygmée? Bon, ben, il y a une cabane. Alors, est-ce que la cabane, c'est le commencement de l'aventure? Un step crucial. Ben oui. Hein? Ben j'y suis passé direct en fait. Ben c'est bon. Mais je continue encore. Hein. Pour Noël, je vais stopper quoi. Enfin, commence à diminuer. Ouais. 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 Je sais pas si c'est la meilleure période, mais bon. Oula, je passe à travers des poutres. Ah, ou pas. Non, elle réapparaît. Oui, je suis possédé par une poutre. Je suis l'esprit de la poutre. Ah. Ah, ah. Oh. Bah, ouais, en gros, c'est ça, quoi. Oh, fantastique. Est-ce que je peux monter à l'échelle?
Non, en fait, j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait parce que je peux même pas monter à l'échelle. En fait, mon gars, il est unijambiste et cul-de-jatte. Alors, c'est original, mais ça existe, faut le savoir. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie de connard de jeu encore? Ça va avoir ma patience, je pense. Si le but c'était trouver la bougie, ça y est, GG, on a fini le jeu. Non? Non, bon, d'accord. Next. Là, il y a une pauvre note. Vous voyez le jouet? Vous voyez? Nous pensons qu'elle en a besoin. Mais ce qui est d'ailleurs, c'est que t'as même pas de touche pour utiliser. Je sais pas, un éventuel item. Bref. Total délire. La hache. Bon, par exemple, la hache, ça m'aurait plu de me balader avec une hache mouillée. Bon, bah après ça, que dalle, quoi. Qui me parle? Oh! Ces trucs de banania. Alors là, j'ouvre la porte. Je ferme la porte. Non, ça se trouve, le jeu, c'est la porte. Voilà, une belle interaction. Toi non? Allez go! Mais merde! Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? Bon allez, je lui donne encore 2-3 minutes quand même, je vais suivre le chemin blanc. Mais c'est vachement ambiance quoi. Je sais pas, moi, j'aurais foutu une grosse grotte, des strums partout, enfin des pendus, enfin truc, tu mets de l'ambiance quoi. Oh là, on voulait à la sphère. Fantastique. Attention, je vais progresser dans le jeu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il fait des rêves chelous, le type, quand même. Il se verrit soporifique, surtout. Ah! Ben non, j'ai pas ma grotte. J'ai un train qui a déraillé. Je répète, un train qui a déraillé. Si je suis les rails, il paraît qu'au bout de 100 km, il y a des chances d'arriver à la gare. Ah, un bruit de corbeau se fait entendre. Je commence à avoir les miquettes. Je commence à avoir les miquettes. Oh putain, une tour, on peut pas monter. Encore une tour de hippie, ça. Ouh, j'aperçois une lueur blanche au fond du tunnel. Et là, la blague, c'est que tu vas y voir le train, non? Ouais, ok, ouais. Bon, là, ils auraient pu faire le train, quoi, vraiment. Non, non, mais d'accord, non, mais ok.
Oh putain, il y a une église ou je sais pas quoi là, où j'ai peur. Ça y est, ça commence. Là, on va peut-être avoir du lourd. Il va peut-être arrêter de neiger, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Oh, mais c'est une église où il s'est passé des choses pas très catholiques. Tu peux me la refaire au ralenti? Non, non, il est vraiment parti. J'ai peur. Ça y est, je flippe ma race. J'ai trouvé un deuxième cheval en bois. Ah, j'ai trouvé une clé. Non, 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 mais. Hé. Malgré ça, il y a de l'aventure, c'est palpitant. Ah, mais là, Poupoune, elle ferait ça. Là, elle se ferait dans le froc, quoi. Elle aurait fait une rivière. Ah, c'est bien ce qui me semblait, c'était bien de potence pour se pendre. D'accord, il a fait ça pour moi. Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est un autre pendu à ton avis? Je sais pas, c'est pour aller à la pêche? Au bon endroit? Débilos, voilà. Ok. Ouais. Et moi je dirais au mec qui rêve ça d'arrêter le LSD déjà, pour commencer, ça serait pas mal. Les gars qui ont def ça, je sais pas quoi. Prendre à faire des jeux peut-être. Un poupoune. C'est beau utiliser le CryEngine et planter des arbres, mais. Mais nous on peut le faire. Ce serait bien un peu de surprise là. Ah, 18 minutes de jeu quand même. Un, oui, t'as raison. C'est exactement ça. Alors là, je continue mon, je sais pas, là, faut trouver quelque chose qui aille à la place. Ah, on pouvait voir un enclos, des murs, quelque chose d'inattendu au milieu de la forêt enneigée. Oh! Un camp fortifié de pygmées. Ah, mais là, pour le coup, on est dans la neige et le brouillard. Si vous aimez le blizzard, ça tombe bien. Et là, je sais pas, là il pourrait mettre une apparition. Je sais pas, allez, un peu d'imagination, quoi. Je sais pas, moi, faites quelque chose. Ah, c'est que je suis tombé sous le pont, en fait. Donc ça, il y avait peut-être une rivière. En temps normal, peut-être. Et ce qui me ferait délirer, c'est que je sois bloqué, en fait. Ok, bon, ben. Reverse.
Alors là, je pense que on touche le fond. Non, non, mais là, il y a une certaine avancée, il faut l'admettre. J'ai réussi à passer ici. Pour ça, je mérite une médaille. Allez, Poupoune, fais péter la médaille, putain! Je pourrais monter nulle part. Non, mais je sens que c'est bien codé comme truc, ça encore. En fait, ils ont posé des arbres. Clic CryEngine. Clic, 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 clic. 4 morts. Clic, 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 clic. Et voilà. Ouais, passionnant. Non, là, franchement. Ah non, qu'on sorte quelque part, hein. Non, faut pas être médisant comme ça, il l'a dit le gars. Oh là là. Putain, il va comme dans le cul d'un noir, quoi. Alors, bonne nouvelle, j'ai réussi à ressortir. Donc, c'est pas fait pour être traversé. Ça annonce du jour. Attention, je vais traverser le pont. Et si ce pont s'écroule. Oh merde! Qu'est-ce que c'est? Un mec, un extraterrestre, Bob le Pygmée. J'ai retrouvé Banania. Ok. Ok. Bon. Hop là, je peux voir à travers tes yeux. Bon, y a rien de plus con, je sais pas moi. Je sais pas, aidez-moi quoi là, c'est. Je vais m'ouvrir les veines. Ouais, bon, et eh bien voilà. Alors, c'était la découverte de Cold Dreams. Et putain que c'est passionnant comme jeu. Donc, on va s'arrêter là. Hein, parce que, bon, voilà. On a fait le tour, quoi. Bon, ben dans le jeu, il y a un bébé noir, là. Hein. Vous voulez le revoir? Ah, allez, je vous la fais. Parce que je suis gentil. Attention, attention. Peut-être que c'est scripté hein, et que si je marche quelque part là, clac, il va se déclencher. Ah, il est parti! Peut-être qu'il va me sauter à la gueule. Ah, mais il a disparu. Voilà. Tout part en couille dans le jeu. Vous voyez là. Ah, un chemin qui va nulle part. Non, non, mais. Bon, on va rater le tir. Hein. C'est de la grosse daube. Et je vous le recommande. Pour vous marrer autant que moi. Voilà, ciao, ciao!